Bonjour, bonjour aujourd'hui encore, frères et sœurs, les amis, c'est ici à la diaspora, là à la terre-mère, en République démocratique du Congo et en Afrique dans son ensemble. Bonjour, papa Arthur, je vais très bien. Et vous, comment ça va? Oui, ça va aussi, ça va aussi. Mais on vous sent vraiment, la voix, elle est un tout petit peu douce. Pourquoi? Il ne fait pas beau là-bas en Belgique? Non, pas encore. Pas encore, hein? Ok. Merci, merci, merci. Peut-être en parlant, mais sinon, non, ça va. Tout va bien. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Alors, à ce niveau-là. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons parler de ces thématiques de régime détox que propose notre nutrithérapeute, Maman Adèle Kasakou. Se sentir fatigué quand on est vieux, c'est normal d'avoir un brouillard cérébral quand on est vieux. Ils pensent que c'est normal d'avoir la lourdeur dans le corps comme un sac de patates parce que, comme une maman, et les femmes, en fait, pensent que quand tu deviens maman, tu ne peux pas faire même du sport parce que, comme une maman, il faut tout tourne autour de cette image corporelle. Il y a maman où on néglige, en fait, le côté santé de la maman. La plupart des femmes sont sédentaires à souhait. Ils ne bougent pas. Et la seule façon de bouger, c'est de se lever pour prendre quelque chose ou pour aller se laver, pour s'apprêter. Et surtout que quand on parle de certaines femmes en Afrique, c'est des femmes qui ne bougent en rien. Parce que tout ce qu'il veut lui arrive au pied de sa table et la personne ne touche à rien. Donc, ce genre de sédentarité, à force de les développer, au bout de 10 ans, on va avoir un corps qui est surgras. Et ce corps surgras, c'est ça qu'on appelle la santé. Or, quand on parle à ces femmes de pouvoir perdre du poids, on ne leur demande pas de perdre autre chose que du gras. Et c'est le gras dans lequel il y a les 500 toxines. Et c'est ces 500 toxines qui génèrent les maladies et qui peuvent mener jusqu'à la mort. Oui. Mais vous constatez quand même que notre communauté, elle bouge presque pas. C'est-à-dire, il y a, comme vous le disiez, il y a cette sédentarisation. C'est-à-dire, voir une femme chrétienne, voir nos sœurs, de se balader, de faire... et puis, pas seulement avec fait, je sais pas moi, dire un peu de la mode, mais disciplinée, vraiment, quoi. Ça, vraiment, il faut en chercher, hein. Non, c'est difficile. Enfin, quand je travaille avec des femmes, en même temps, j'évite de me fatiguer. On peut tomber sur des personnes qui ont le sens de la discipline. Et quand on travaille avec eux, ces gens-là, on a beaucoup plus de résultats. Okay. Et les personnes qui sont négligentes par nature, on lui demande... Négligentes par nature? Oui. On lui demande de prendre son produit à telle heure. Il va venir avec une explication. On va lui dire, tu fais tes respirations comme ça, tu fais tes étirements à telle heure. Parce que moi, tout ce que je propose, qui est un protocole qu'on a déjà expérimenté, donc on vous le repropose tel que nous, on l'a expérimenté. Maintenant, il y a moyen de l'adapter selon les personnes, selon leurs conditions de vie, on peut adapter. Et ça, si la personne ne t'a pas fait connaître ce qui va le gêner, ben, en fait, il risque juste de ne pas faire la chose. Les gens ont beaucoup plus facile à aller vers les habitudes alimentaires malsaines qu'à les stopper, à les arrêter. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut voir comment d'ailleurs sur Internet, les vidéos où les gens mangent salement sont visionnées des milliers de fois. Donc, c'est comme si c'est devenu une façon de faire de l'aventure avec l'alimentation alors qu'on est en train de porter du tort à son corps. Il faut manger. On n'est pas en train de parler mal de la nourriture, mais il faut manger une quantité qui est adaptée. On est dans un divertissement alimentaire et ce divertissement alimentaire, les gens qui les pratiquent ignorent complètement les dégâts qu'ils sont en train d'infliger à leur corps. Tout en espérant que quand ça va aller mal, c'est un comprimé qui va les tirer de là. Et c'est ça, le danger. Mais Maman Adèle, quand vous dites que manger, ce n'est pas un sport, mais qu'est-ce qui vous pousse vraiment à dire ça? Avec quel constat pour pouvoir dire de tels propos?
des défis, des gens qui vont faire des défis pour manger, où on va manger avec un chrono pour avaler des quantités de nourriture en un temps record. Mais on est en train de bousiller son estomac Même ce qu'on parce que voit sur manger, YouTube quand même. mais oui, manger sans mastiquer, c'est égal à obliger son estomac à traiter la nourriture pendant longtemps. Donc, il y aura des gaz de fermentation, des pourrissements et des putréfactions et de l'acidité dans le corps qui s'acidifie. Donc, on génère les maladies avec ces aliments. La même nourriture peut être mangée proprement dans des quantités qui sont adaptées au corps. On va avoir un effet différent qui va générer la santé. Donc, quand on transforme la façon de se nourrir en une diversité ou Un divertissement. en un divertissement ou un sport, bon, on est en train vraiment de ne pas faire ce qu'il faut. C'est ça, en fait, que je veux dire. C'est la Est-ce qu'on peut chose à se ne pas poser aussi faire. la question, est-ce que la personne qui mange, est-ce que la personne comprend la nécessité ou l'importance de manger? Non, parce que justement, dans ce genre d'activité, on est dans une forme de déconnexion avec son propre corps. C'est le genre de personnes qui n'ont pas l'habitude de s'écouter, parce que aussi, dans le problème de variation génétique qu'on a, il y a des gens qui ne ressentent plus l'appétit, et il y a des gens qui vont perdre les ressentis du moment où ils sont rassasiés. Donc, on est dans une forme de corps qui a été déconnectée de la façon normale de fonctionner. C'est-à-dire qu'ici, avant de manger, je vais avoir faim. Quand j'ai faim et que je vais manger, mon corps va prendre ça en charge. Si je n'ai plus faim, je dois savoir que je n'ai plus faim. Or, c'est là que dans certains corps, ce signal est disparu. C'est un signal perdu, les gens ne l'ont plus. Et donc, on va manger jusqu'à sentir quand ça arrive là. Vous savez, on veut rendre le dernier bouchée. Là, on sait qu'on vient de se reposer. C'est une déconnexion. C'est une déconnexion avec le corps physique. Et c'est des états qui vont générer beaucoup de problèmes de santé. Et c'est un travail qu'il faut refaire pour pouvoir ressentir à nouveau ce Malheureusement. signal quand on a faim et quand on n'a plus faim. Des bactéries qui sont bénéfiques pour la santé intestinale. Disons Et des donc, il y a maintenant. 90% vient de la de ce que nous consommons. De nos Voilà, maladies ça viennent de ce que nous consommons. vient de cette prise en charge de ces bactéries-là, de ce que tu as consommé. OK. Si ces bactéries ne sont pas là, il n'y a pas de prise en charge. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas de muqueuse, ça veut dire que ton intestin est, entre parenthèses, ouvert. Ce que tu manges va passer dans le sang. Facilement. Et un sang, c'est celui qui irrigue tout le corps. Où tu vas te retrouver avec. C'est comme ça qu'il y a du cholestérol qu'on retrouve dans le sang. C'est de la graisse qui était dans l'intestin et qui circule maintenant dans le sang. C'est à cause de parois qui se sont dilatées et qui se sont ouvertes. C'est la même chose, les gens qui font gonfler les ventres, ils vont avoir ce problème. Un ventre qui est gonflé, ce sont des intestins distendus. Donc, on a ce problème-là des translocations des éléments sales des intestins qui circulent dans le sang. Et si les choses sales se retrouvent dans le sang, ils vont se retrouver partout jusqu'au cerveau. Donc, ce n'est pas un corps qui peut être capable de générer de la santé en ce moment-là. Voilà pourquoi, en fait, ce n'est pas quelque chose à promouvoir, ce gros ventre chez les hommes. Ça n'a rien à voir avec la santé. Et les hommes qui vont avoir ce problème, ils ont aussi des dysbioses, si on peut dire ça, ou des niveaux de perte de leur qualité de protection à ces niveaux-là. Donc, il y a des gens qui ont seulement la barrière, seulement les colonies De de ces bactéries. bactéries, oui, qui est peut-être déséquilibrée, où il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, tu vas arriver au niveau des muqueuses, parce que ces bactéries sont sur des muqueuses. Et ces muqueuses, c'est justement quand, par exemple, tu prends les intestins de chèvre, quand on les enlève, tu vas voir qu'il y a des choses gluantes qui sont à l'intérieur. Ce sont des muqueuses.
Et ça, c'est sur ça que se reposent ces bactéries, c'est leur nid, c'est leur océan de vie. Et ces bactéries, ils sont sur les muqueuses. Les muqueuses sont sur des villosités, et ces villosités, justement, vont avoir des façons de s'entrelacer entre eux pour former, hein, comme une barrière comme ça, donc des Une jonctions barrière serrées, protectrice. voilà, qui protègent du passage. Du coup, c'est à partir de là que se pose le problème. Si cette barrière lâche, N'est plus. ben, Oui. s'il lâche, tout va passer entre les espaces. Du coup, si c'est bien serré, ça ne passe pas. Et la santé, c'est quand c'est serré comme ça. Parce que rien ne passera dans le sang, il n'y aura que du sang, sans présence des corps étrangers. Mais ça, quand tu consommes du sucre, tu compromets cet état des intestins. Donc, on va avoir quelque chose qui va finir par devenir des passages, fait passer tout. Et on a maintenant énormément Alors, de avec gras cette dans le guerre sang. qui nous est déclarée, avec l'industrie alimentaire Voilà, mondialement l'industrie alimentaire, dans nos sa pays, cible, ce c'est... sont les bactéries. Sa cible, c'est les bactéries. Ils mettent des additifs alimentaires, des colorants. Tout ça, c'est ça qui tue directement, c'est du poison pour ces colonies de bactéries qui sont le centre de la santé humaine. Ça qui crée la bonne santé Très, très, très dans le important. corps. Et puis, il y a des aliments qui nourrissent ces bactéries ou qui Ces font qu'ils bactéries, soient en bonne oui, qui santé, sont des aliments naturels, oui, naturels. des aliments naturels, voilà. Donc, tu as les fruits, sans pesticides. Tu Bien as les sûr, bien légumes, sûr. sans pesticides. Voilà. Mais c'est Tu trop as les cher, hein? pesticides. Les pesticides tuent ces colonies de bactéries. Ça les Je tue. les maman d'elle, mais les aliments sans pesticides, les bio, c'est pas évident aujourd'hui. Mais si c'est pour acheter des fruits et des légumes, je pense qu'il vaut mieux comme ça. Ou si on les achète avec pesticides, il faut les laver. Il faut les laver avec du vinaigre et du bicarbonate. Comme ça, on va enlever une petite partie. Et voilà. Mais c'est ça. On plébiscite C'est quand pas même les évident. aliments bio qui Voilà. sont traités sans Pour ce qui pesticides. est des fruits et légumes, il vaut mieux aller vers du bio plutôt que vers des choses qui ont été pulvérisées en grande quantité. On peut vraiment faire le choix de diminuer ça de 20, de 30, de 50%, mais quand on se repart, il vaut mieux aller vers un choix optimal de santé parce que parfois, ce qui nous fait dépenser beaucoup d'argent dans l'alimentaire, plus un corps est sale, plus il mange beaucoup. Un corps propre ne mange pas beaucoup. Je pense que c'est même pas trop dépensé dans l'alimentaire, hein, si vraiment on Non. calcule, hein. C'est-à-dire c'est Voilà. qu'investit dans l'alimentation bio, même si on dit que ça coûte cher, mais on préserve notre santé, parce que dès lors que notre santé Oui. est atteinte, c'est là où on aura A dépensé beaucoup beaucoup. dépensé, oui. Mais avec notre société encore occidentale aujourd'hui, on sait que les caisses maladies prennent tellement en charge tout, c'est ce qui fait qu'il y a cette forme de négligence, parce qu'on sait que de toute façon, je suis couvert par la caisse maladie, mais soi-même, dans sa conscience, on peut payer, subvenir à ses soins médicaux, mais dès lors que le médecin n'arrivera plus à faire quoi qu'il en soit, c'est là où la mort va s'en suivre. Oui, c'est ça. Mais même caisse maladie, ils vous donnent le médicament seulement pour faire fonctionner leur système. Mais c'est pas, il va pas aller travailler sur ta santé. Donc la santé, c'est personnel, ça. Par exemple, un protocole alimentaire personnalisé où tu sais ce que tu dois prendre, comment tu dois le prendre, ce que tu dois éviter, ce que tu ne dois pas, tu ne dois plus prendre. Qu'est-ce qui va se passer? Ton corps que tu as déjà nettoyé va rester beaucoup plus longtemps propre. Donc, c'est ce qui va t'épargner des présences, il y a bah, symptômes tels que tu les avais avant. Maintenant, si tu ne fais rien, le corps se sature et le corps déclenche l'alarme par des symptômes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu cours maintenant pour qu'on aille arrêter les symptômes, soit par des opérations, soit par des médicaments dans des pays étrangers ou dans ton propre pays. Comme tu le sens. Tu dépenses plus. Tu dépenses énormément d'argent pour faire taire des symptômes plutôt que de payer pour te faire suivre sur le plan alimentaire et nettoyer ton corps. Et rester en bonne santé. Et rester,
beaucoup plus longtemps en bonne Beaucoup santé plus encore. longtemps en bonne santé. Donc, je crois qu'en soi, un être humain peut vivre beaucoup plus longtemps qu'on le vit maintenant. C'est parce que tout simplement aujourd'hui, on remplit trop le corps des toxines et on ne les enlève pas. Et c'est ça qui fragilise vite le corps. Les gens qui mangent du sucre, sauf s'il est si qu'il y a sucre, quand tu as fini de manger ton sucre, tu n'as aucune idée des dégâts que ce sucre va aller faire Mais dans ce n'est ton pas corps. interdit de consommer du sucre quand même. Mais à quel âge tu as? Ça dépend de quel âge tu as. Dans 60 ans, tu as un problème de microbiote qui est dysfonctionnel. Tu prends le sucre va être un poison pour tes bactéries. Donc, tu vas vite fragiliser ta barrière intestinale, te retrouver avec des translocations de parois de bactéries dans le sang. Le sang-là, il va générer tout le problème de maladie parce que tu es déjà fragilisé. Un corps de 70 ans ne produit plus assez d'enzymes. Une consommation des aliments appropriés ne va pas être prise en charge par le corps. Mais les La autres qui disent digestion, l'assimilation prendre ne sera pas optimale. et Tu vois? consommer du miel, il y a aussi du sucre là-dedans. C'est du fructose. C'est du fructose. Même si c'est du miel, il faut savoir qui le consomme, comment et à quel âge. Pour les personnes qui sont en état de santé optimale, le miel va avoir une action bénéfique. L'interaction avec les organes va être différente. Pour une personne qui est dans un état de dysbiose avancée, avec une barrière intestinale qui ne tient plus, Ça veut dire quoi, dysbiose prendre avancée, du sucre. Mamadé? Ben, en fait, il faut savoir que dans notre corps, dans l'intestin, on a des bactéries, des colonies de bactéries, qui sont des bactéries qui aident dans la digestion, qui vont prendre en charge les résidus de certains aliments pour pouvoir en transformer et faire en sorte qu'il y ait d'autres types d'éléments positifs qui sortent de ça, qui interagissent donc dans la bonne santé. Et donc, ces bonnes bactéries sont c'est la base de la santé. Maintenant, la consommation des aliments qui ne sont pas des aliments sains, par exemple des aliments ultra transformés, vont tuer ces bactéries. Maintenant, quand ces bactéries sont tuées, leur colonie ou leur quantité devient insignifiante dans le corps. Et donc, on est déjà en état de dysbiose. Maintenant, la dysbiose, c'est vraiment le déséquilibre de ces colonies de bactéries dans l'intestin. C'est eux qui sont la source de la santé. Parce que quand eux, ils sont en bon état, en grande quantité, ils vont aussi permettre au corps d'avoir une muqueuse intestinale qui est en bon état. Et donc, la formation de cette muqueuse protège maintenant les jonctions, qui sont donc la structure intestinale qui permet aux aliments, quand on les a mangés, que ce ne soient pas des aliments qui peuvent facilement aller en dehors de l'intestin et se retrouver dans la circulation sanguine. Donc, l'intestin n'est pas poreux. Par contre, il y a des aliments, comme des aliments qui contiennent du gluten, qui vont faire en sorte que ça génère des protéines qui vont ouvrir cette barrière et il y aura une quantité d'éléments qui proviennent des intestins qui se retrouvent dans le sang. Là, on est dans ce qu'on appelle la translocation des éléments qui ne sont pas prévus se retrouver dans le sang, circulent dans le sang en quantité impossible. Donc, ce sang devient acide et détruit les organes qu'ils vont irriguer et ramène Donc, cette partout où saleté ce un sang peu va partout. circuler, Voilà. Il va va aller apporter irriguer des le. éléments qui ne sont pas appropriés dans ses organes. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est ça qui va être la cause d'une inflammation parce que ces éléments se retrouvent dans un endroit où ils ne doivent pas être. Quand le corps trouve, par exemple, une paroi de bactéries au niveau, de la circulation sanguine qui va se poser dans un élément qui n'est pas adapté ou dans le cerveau ou entre deux veines qui ne sont pas des endroits dans lesquels ils doivent être. Et en fait, tout ça va alerter le système immunitaire du corps qui va
actionner tout son mécanisme de défense. Et son mécanisme de défense, notamment, consiste dans l'inflammation. Donc, il va créer une inflammation pour protéger cet endroit et essayer de rétablir l'équilibre. Mais quand ça se fait dans tout le corps, ben, c'est comme ça que c'est une action inflammatoire dans tout le corps qui se met en place à cause d'un problème alimentaire qui va aller finir par un problème de santé. Et l'inflammation, c'est la douleur, l'inflammation, c'est C'est des justement brûlures les d'estomac aussi, présences hein? de symptômes qu'on va dire que j'ai mal ici, j'ai mal comme ça, à tel endroit. Et ça va être appelé telle maladie. Et ensuite, on va venir donner un comprimé où on va opérer. Vois un peu la suite. Les choses sont si graves. C'est pour ça que je dis Voilà. qu'il y a vraiment un travail de sensibilisation, surtout de notre communauté, Énorme. Donc, quand d'information et tu de manges comme ça des sensibilisation et de grosses prise en quantités, charge. voilà, quand tu manges comme ça des grosses quantités, sans réaliser la suite de ce qui va se passer avec ces repas-là, c'est là qu'il y a l'inconscience. Et cette inconscience va coûter cher après. On peut vous contacter alors. C'est sur www.adelkasakou.com. www.adelkassakou.com. C'est en cela que vous prendrez contact avec maman Adèle Kassakou et puis s'en suivra différentes thérapies qu'elle propose qui prendraient soin de nous. Un esprit sain dans un corps sain, c'est très important de tenir à sa santé physique qui se reflète ou qui se rapporte ou qui vont de pair avec notre santé spirituelle. Merci, maman Adèle.